Bon. Allez, c'est parti pour le démontage. Des petits fils pour pouvoir intercepter en fait les échanges. Il semblera que ce soit la détecteur de code barre. Donc c'est parti, on va essayer de remonter tout ça. Ça c'est le moteur ici, et ça c'est le gros moteur, et ça c'est mon câble.
après j'ai lancé le logiciel, comme on peut voir ici. Donc il y avait 7 fils. Donc comme il y avait la masse, j'utilise donc 6 channels, on va dire. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire un essai. Donc je vais faire une capture avec une nouvelle capsule. Et on va pouvoir voir ce qui se passe correctement. Donc là, je vais démarrer la machine. Je vais dézoomer un peu. Donc on peut voir déjà qu'il se passe des choses sur deux des canaux. Voilà. Donc là, la machine est démarrée, je vais mettre une capsule déjà utilisée pour un essai. Hein. Et là, je lance la machine à café. Voilà. Voilà. Donc là, on va arrêter et on va pouvoir analyser tout ça. Voilà. Donc voici la séquence. Donc déjà sur les six canaux, on peut voir qu'il y en a deux qui sont à la masse. Donc connectés à la masse. Donc quand j'avais testé avec le multimètre, je l'avais vu qu'il y avait trois des sept fils qui étaient connectés. Donc ceux-là, ils nous donneront plein d'informations. Ensuite, celui-là, on peut voir que c'est doit être l'alimentation, donc le VCC. Parce que là, on peut voir quand j'ai allumé la machine, il est directement passé à l'état haut. Quoi d'autre? Il semble que ces deux canaux, je sais pas à quoi ils servent en fait. Ils n'arrêtent pas de communiquer entre eux, on dirait que c'est comme. J'essaie d'envoyer de l'information, mais on va essayer d'aller voir un peu plus en détail. Et ici, on voit que ce serait quand le moteur il tourne. Et en fait, je pense, donc c'est que de la théorie, hein, je connais pas la machine, que vu que c'est un moteur à courant continu, la vitesse peut varier que en fonction de la tension qu'on lui donne. Et donc, pour faire un asservissement, il faudrait connaître la vitesse actuelle du moteur. Et ce que la petite carte peut permettre, c'est d'envoyer en continu, sous forme de modulation de fréquence, la vitesse du moteur ici. Donc c'est pour ça qu'on voit que c'est un signal créneau avec une fréquence qui varie. Donc ce qui serait intéressant maintenant, c'est que là j'ai utilisé une capsule Chiaro. Et donc on va juste voir après donc le premier. Donc là je pense qu'il a dû faire une rotation pour peut-être mesurer le code barre. Donc on va voir à partir d'ici. Si ces signaux diffèrent, parce que j'ai fait un essai avec une autre capsule juste avant, et je voulais voir la différence, s'il y avait une différence de signaux. Voilà, on peut voir une différence de signaux. Donc peut-être que cette information, c'est donc notre code barre. Donc on peut essayer de décoder ces trames. Donc ici, je vais sélectionner une configuration asynchrone, donc serial. Donc ici, on peut voir que si je prends un seul bit, on voit qu'on aura une fréquence de 19200 Hz. Donc notre baud rate serait de 19200. Donc quand je reprends mon analyse, je vais en mettre un nouveau, donc asynchrone, 19200. Alors c'est pas commun, mais après plusieurs essais, je me suis rendu compte qu'ils utilisaient un nombre de bits par tram de 9. D'habitude ce serait 8, mais j'ai pas compris pourquoi ils utilisaient 9. Je pensais qu'au début c'était
un bit de parité, mais c'était pas le cas parce que j'avais des erreurs, donc c'est soit en pair ou impair, j'avais des erreurs. Donc là j'ai mis 9 et on va voir ce qui se passe. Ah, est-ce que j'ai sélectionné Edit? Ouais, j'ai pris le canal 0. Maintenant, si on voit sur le canal 0, voilà, on peut ainsi décoder les bytes. Donc je sais pas comment ça on appelle un byte de 9 bits actuel, moi je vais dire un byte, donc un octet. Ce sera plus facile. Donc on peut se rendre compte qu'il y a un semblant de protocole en analysant cette trame. Il semblerait que le premier byte, ce soit ce qu'on appelle un identifieur, un truc qui dit bon bah c'est moi, je suis le numéro 0x102. Après, le deuxième byte, ce serait la longueur. Donc ici 4, 4 bytes, donc qui suivraient. 1, 2, 3, 4. Et donc là, ça matcherait. Et après, ce serait des bits de données. Si je prends une autre trame, par exemple. Donc là, on peut voir que c'est le même protocole, sauf que l'identifiant, il change. Là, ici, ce sera 0x10A, avec la longueur derrière 2 bytes. 1, 2. Donc ça collerait aussi. Donc là, on a notre semblant de protocole. Maintenant, ce qui nous intéresse, depuis le départ, ce serait de savoir, pour différentes capsules, quelle est la donnée qui permettrait de définir la quantité d'eau. Parce que c'est notre seule donnée d'entrée, en fait. On sait que pour chaque capsule, c'est écrit sur les packagings, il y a tant de quantité d'eau. Par exemple, pour une Altissio, c'est 40 millilitres. Donc, ce que j'ai fait, parce que je me suis dit, c'est pas possible qu'on envoie le barcode à chaque fois. Je pense que ici, on voit qu'il y en a plus. Donc, je pense qu'après la première rotation, c'est vraiment à ce moment-là, dans cette zone, cueillir des données qui sont plus intéressantes. Et on voit qu'on a des trames plus longues avec beaucoup plus de données. Donc ce que je me suis amusé à faire, c'est que j'ai créé un parseur Python, en Python, donc en langage Python, qui va analyser toutes les trames. Donc là, je vais vous montrer. Donc on va essayer de l'appliquer au channel 0, donc serial, voilà. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Et on va mettre le terminal ici. Donc mon parseur Python va juste pour chaque trame, donc là on va prendre un exemple ici, m'afficher dans la fenêtre terminale le payload en entier. Et en plus de ça, il va aussi me le mettre au-dessus de la trame en clair avec le numéro, donc c'est-à-dire qu'ici ce serait la 67e trame. Et ce qu'on peut remarquer, c'est quasiment tout le temps, c'est des trames avec une longueur de 4 après, sauf quelques-unes. Donc la 56, 57 et 58. Et si on regarde sur notre séquence ici, on voit que la 56, 57, 58. 58, c'est celle-ci. Donc ce serait vers ici. Voilà, 57. Et donc ce serait juste après le barcode. Donc pour moi, ce serait juste ces trois échanges qui serait intéressant et qui contiendrait potentiellement les données du code barre. Donc ce que je me suis amusé à faire, c'est que je l'ai fait pour 5 capsules différentes. Donc ici, par exemple, nous étions sur la Chiaro, comme vous voyez en bas. Il y a aussi la Altissio, ici, la Arondio, la Melonzio et la Volteso. Ce qu'on peut remarquer aussi, et je trouvais que c'était intéressant, c'est que vous voyez le moteur, il semble ne pas avoir le même profil. C'est-à-dire que par exemple, pour la Chiaro, il semblerait que le moteur il soit continuellement allumé, mais pour certaines capsules, il y ait des petits arrêts à la fin et des reprises. Par exemple, à la Voltesio, il y a plusieurs reprises. Et on voit que le temps aussi, c'est pas le même, quoi. Il y en a que c'est plus ou moins long. Enfin, je pense que c'est en fonction de la quantité de café, hein, mais absolument. La deuxième chose qui m'a vraiment intéressé, c'est effectivement le canal 2, pardon, qui contient la fréquence. La fréquence du moteur, quoi. Donc ça donnerait une indication sur la vitesse du moteur. J'ai aussi fait un petit parseur Python. Donc je vais vous le montrer. Je vais juste effacer le terminal et données. Voilà. Donc ce petit parseur Python va utiliser, calculer la période entre. J'ai utilisé un signal, un fil. Donc juste pour avoir des données et pouvoir les utiliser avec mon parseur, mais va donner la période entre un front descendant et un front montant, donc une demi-période, juste pour avoir une donnée de fréquence. Donc, comme vous pouvez le voir sur la colonne B, j'ai donc testé 5 capsules différentes. La colonne C, j'ai affiché la contenance en millilitres, qui va de 40 à 230 pour les mélosio. Dans la colonne D, j'ai transcrit cette contenance en hexadécimal. Je me suis dit au départ, bon, on va retrouver cette valeur directement dans les trames. Malheureusement, ça n'a pas été le cas.
Dans la colonne E, j'ai mis toutes les trames relevantes, extraites donc de mes scripts Python, avec le numéro devant. Et comme on peut voir, le début de toutes les trames est le même. Donc dans la colonne F, j'ai enlevé ce début, qui pour moi était donc inutile. Et après, j'ai essayé de m'intéresser à essayer d'identifier le volume, en fait, la donnée de contenance dans ces différentes trames. Je me suis aidé des deux capsules Altissio et Voltesso qui ont la même contenance. Donc ce que je me suis dit, là par exemple la Altissio, elle a seulement deux trames relevantes. Donc j'ai pris la première et je me suis dit, ah là celle en bleu, et je l'ai comparée à la Voltesso. Et là j'ai vu qu'il y avait deux éléments qui changeaient, donc le 8 à la fin et le 2 au début. Et après j'ai vu que c'était la même trame entre le Voltesso et le Arondio. Donc j'ai éliminé cette possibilité. Et donc dans la colonne G, j'ai pris les dernières trames. Donc il commence par 00D. Et dedans, j'ai essayé d'identifier ce qui pourrait correspondre au volume. Donc premièrement, je me suis dit, ah, ça pourrait être la partie en jaune. Parce qu'on voit que dans le Altissio et le Voltesso, c'est la même valeur, 006. Malheureusement, on voit aussi que sur la Chiaro et la Arondio, c'est la même valeur, 009. Par contre, la contenance, c'est pas la même. 650 ml, ici 80. Donc j'ai éliminé aussi cette possibilité. Donc la deuxième possibilité, c'est le byte en rouge. Donc là, on voit que sur la Altissio et la Voltesso, c'est le numéro 1. Donc ça matcherait. C'est la même donnée. Après, la Chiaro, ce serait le numéro 3. La Rondio, 4. Et la Melodio, 6. Donc ça pourrait être ça. C'est-à-dire qu'on transcrirait les contenances en millilitres en une espèce d'ordre. Une énumération. Donc le 1, ce serait le plus petit. Peut-être qu'on aurait un 2 qui vaudrait, je sais pas, admettons 50 ou 60 millilitres. 80 millilitres, ça vaudrait la valeur 3. 150, la valeur 4. Je sais pas, 180 ou 200 millilitres, on va dire, imaginons la valeur 5. Et 230, la valeur 6. Donc ça, c'est mon hypothèse. Et je vais la vérifier dans la deuxième partie de cette vidéo où je simulerai complètement la petite carte optique. Et en simulant, je pourrais changer à la volée ce champ et je verrai l'impact que ça a vraiment sur la quantité de café délivré. Voici les données extraites au niveau de la fréquence. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour chaque capsule, j'ai juste porté les données délivrées par mon script Python. Ici, on a le base de temps. C'est le temps par rapport au début de la première pulsation. Donc c'est juste pour avoir une référence de temps. Et ici on aurait la fréquence en Hertz. Donc ici 46 Hertz, 49, 41, etc. Pour chacune des capsules, j'ai dessiné un graphique. Donc la fréquence en fonction du temps. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que pour toutes les capsules, la fréquence maximale est sensiblement la même. Donc c'est l'espèce de plateau en haut. On voit également que la chute, donc la descente, est aussi sensiblement la même. Par contre, derrière, on voit que c'est vraiment une configuration par capsule. Par exemple, pour la Melanzio, on voit qu'on est en espèce de plateau assez long à la fin. Pour la Voltesso, en espèce de vague, avec un peu, on augmente, on baisse la fréquence. Là, ce sera un paramètre à identifier dans le futur. Voilà.